Ok. La seule chose qui soit nouvelle dans ce paysage, c'est nous. Parce que dans les autres pays d'Europe, vous n'avez pas une force alternative organisée autour d'un programme qui répond concrètement et de manière chiffrée à la crise écologique, à la crise démocratique et à la crise sociale comme nous. Et ceux qui luttent, c'est nous. Et c'est nous toute l'année. Pas seulement une fois de temps à autre quand il s'agit de duper les braves gens, de les tromper et de les obliger à voter pour quelque chose dont ils ne veulent pas. Parce que vous avez vu que ça a été vite, hein. Ça a été vite, il était à peine élu qu'ils ont dit « Ah ben les gens ont voté pour mon programme ». Jamais de la vie, les gens n'ont pas voté pour ton programme, mon gars. Et les forces sociales pour ton programme, tu les as pas. C'est pas parce que tu as tous les jours le journal que tu veux pour parler de toi, que vous avez vu, il y a des moments où vous allez au magasin, il n'y a pas une première page, il n'y a pas une couverture où il n'y a pas dessus Macron au ski, Macron à la plage, Macron avec sa dame, avec son chien. Mais oui, mais c'est ça, c'est Martine et le reste. Bon ben, c'est Macron. Si on cet homme prétend que vous êtes d'accord pour supprimer le code du travail. J'ai déjà dit à tous les copains que j'ai vus toute la journée, le code du travail, respectez-le comme une bible. Ouais. C'est pas le même contenu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque page du code du travail, c'est l'histoire d'une lutte de classe. Voilà, maintenant je vous ai assez saoulé de paroles. On va voir si vous avez tout bien retenu. On va faire une interro écrite. On est la France insoumise, on est là. On est la France insoumise.